Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Info 9, c'est émission Chita Tande Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info quelque soit côté branché. Nous bienvenue sur canal information sans force côté. Association nationale magistrat haïtien yo ANAMA dénoncé gros menace la mort qui pesait sous tête juge Wendell Coctello ou tête juge Wendell Coctello qui c'est yon nan gros membre la cour cassation pas de bail quorum semaine passée pour 9 membres conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse là et bien t'es prêté serment gagné tout parti haïtien tête calé PHTK leader Batissa coordonnateur général Batissa qui c'est Liné Baltazar mais il dit il prend distance li avec conseil électoral président Jovenel Moïse mette campé puisque il pas inspiré personne monde confiance n'a pas rappelé où mais parti PHTK c'est parti président Jovenel Moïse t'est allé sous pouvoir. Gagné tout enquête sous assassinat qui fait sous maître Montferrier Doval là qui est avancé donc DCPJ remet rapport enquête li bail commissaire gouvernement Port-au-Prince là lui-même qui eh bien côté li mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince là pour que li chercher et puis arrêter quatre autres monde encore. En plus de 4 personnes, la justice déjà gagné dans le dossier. Ça, il y a suspect qui a mis au trempé dans l'assassinat qui fait sous maître Montferrier Dorval. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, nous avons invité vous. Continuez à brancher, continuez à abonner à canal information sans force côté. De manière à ce que nous sommes capables de continuer à porter bon genre d'informations frais, clés, coups de loco pour ou même qui abonnez déjà, nous remercions ou fait un bon choix. Et ou même qui pourquoi abonner, nous invité à abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie la privée joint nous de façon automatique. Jean nous annonce au lit, auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, juge Wendell Coctello en bas gros pression, gros menace la mort d'après Association nationale magistrat haïtien yo ANAMA qui est même. Et publier information qui confirmait nouvelle là dans la presse. Donc Association nationale magistrat haïtien yo dénoncé gros menace la mort qui pesait sous tête juge Wendell Coctello qui c'est yon nan juge la cour cassation yo qui lui-même eh bien pas de bail quorum pour que 9 membres conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse là eh bien t'est prêté serment semaine passée à. Donc, gagné juge Jean Wilner Morin, lui-même qui c'est président Association nationale magistrat haïtien, l'a porté précision sous eh bien, gros menace la mort, lui gagné comme information qui pesait sous tête juge Wendell Coctello. Association nationale magistrat haïtien apprend magistrat Wendell Coq, juge à la Cour de cassation, et a subi un ensemble de menaces qui venaient d'appels anonymes de certains individus qui, eux-mêmes, d'après information que nous sommes capables de faire confiance du magistrat, que c'est lui-même qui était infirmé quorum au niveau de la Cour de cassation, qui t'a fait que il y a rien de monde qui t'a nommé dans une institution. Un pays qui n'a pas prêté serment comme la loi t'a demandé au bout d'un moment. C'est possible. Ça a mis le magistrat vraiment inconfortable et ça fait que le magistrat a une certaine inquiétude par rapport à la sécurité. Lorsque nous autres au niveau de l'association, nous connaissons que le magistrat, premièrement, il y a la loi, la constitution et la conscience pour lui décider. Le magistrat n'a pas qu'à subir pression, le magistrat n'a pas qu'à subir intimidation pour décision qu'elle prend. Pour décision qui a rapport à intime conviction. Donc, nous autres, nous contre cette façon de faire, et nous demandons les autorités de ce pays, par exemple la police, et les autorités constituées au niveau de la justice, le CSPJ, le ministère de la Justice, pour prendre toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité de la magistrate Wendell Cox, parce que ce magistrat qui lui-même n'a pas jamais gagné aucune tâche sur honorabilité, sur honnêteté, n'a pas jamais gagné que dit qui est capable d'atteindre l'intégrité magistrat. Donc, magistrat a toujours été un magistrat droit et rectiligne. Donc, nous autres, nous insurgez-nous contre cette façon de faire, de demander les autorités pour les messieurs pour la sécurité de la magistrat. On parle à magistrat Koch. Magistrat Koch dit, c'est vrai, que les gagnants, depuis plus de près d'une semaine, les gagnants en pile appel anonyme la recevoir, des appels qui disent qu'il y a bintouillé, des appels qui disent qu'il y a exécuté. Si un magistrat, les deux sont obligés d'intimidation du magistrat. S'il y a une possibilité de recours, plutôt nous exercer recours que la loi Mali, en lieu et place d'intimider la magistrate ou bien le magistrat qui lui-même t'a pris la décision. Ça force nous de dénoncer lui et nous demander que la sécurité de notre collègue soit assurée par les autorités constituées. L'autre information, toujours dossier insécurité, assassinat qui était fait sous Maître Montfleurier d'Orval, mais dossier enquête si là, et après poursuivre, Maître Bernard Saint-Ville, qui c'est doyen tribunal civil Port-au-Prince-là, choisi juge Renaud Régis, eh bien, pour mener enquête sous assassinat qui était fait sous Maître Montfleurier d'Orval. DCPJ, qui c'est direction centrale la police judiciaire, te remet un rapport by commissaire gouvernement Port-au-Prince-là, M. Ducarmel Gabriel, na date 16 septembre passé à mes côtés, li te mandé pour le chercher et puis mettez en ma code 4 autres moun yo suspect nan corps assassinat qui te fait sous M. Montferrier d'Orval. Donc, moun sa yo, c'est Markinson Charles qui gagne un petit nom et Cobra, non voyant. Gagné Gerson Laura, qui est sinon Tiluc ou bien Loco, gagné Richelin Augustin avec Johnny et Toussaint. Donc, c'est quatre moun sa yo, DCPJ, mandé et commissaire gouvernement pour le chercher couche fou dans le cadre dossier assassinat qui fait sous Maître Montferrier d'Orval. Donc, DCPJ était déjà arrêté et quatre présumés assassins dans le cadre dossier Silla qui c'est. Et qui c'est Maudelaire Sénéjour, Valérie Dor et Dunes Villepic avec Mackender Fusemé. Donc, d'après toute information, il y a deux derniers noms, Mackender Fusemé avec Dunes Villepic, deux monsieur Sayo, donc c'est deux policiers qui ont même gagné un rapport serré avec pouvoir en place là. Faut que nous disions gagné un lot et moun, un certain Arlex. Et qui gagne un petit nom Black, eh bien, il a été fusillé, monsieur, dans une boutique dans Pétionville, 24 ans après, il a été fin touillé, Maître Montferrier d'Orval. Donc, d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Ducarmel Gabriel, citoyen ça, Alex alias Black là, eh bien, semblait pas ta innocent dans le dossier Zach Sassinaï qui fait sous Maître Montferrier d'Orval. Toujours question qui concernait Maître Montferrier d'Orval, et bien gagné une grosse cérémonie qui continue à faire là, cérémonie hommage qui continue à faire pour honorer mémoire Maître Montferrier d'Orval. C'est comme ça vendredi passé, il a gagné une grosse cérémonie et l'université Kiskeya a été organisée pour bailler Maître Montferrier d'Orval, disons en mémoire. Maître Montferrier d'Orval, il y a plusieurs professeurs dans l'université l'État d'Haïti avec l'université privée qui étaient présents dans le programme ça. Il y a plusieurs personnalités qui te prend la parole parmi eux professeur Miland Hippolyte Maninga qui te présenté Maître Montferrier d'Orval et bien comme un monde qui gagnait en pile et passion pour droit avec un amour exagéré pour pays d'Haïti. Li parle ben de gros expériences, professeur Miland Hippolyte Maninga parle de gros expériences li te gagné avec Maître Montferrier d'Orval. Nous invitons au côté professeur Miland Hippolyte Maninga. Exquise aux manières dont on pouvait dire qu'elle relevait de ce qu'on a l'habitude de dire en Haïti, ancien haïtien. Cet homme ouvert, spontanément ne n'attirait pas
les flatteries n'attiraient pas les compliments. Mais tout le monde le respectait. Étudiants, collègues, intellectuels, compatriotes et étrangers rencontrés au hasard d'une conférence ou d'une réunion, tous reconnaissaient son intelligence, l'étendue de son savoir juridique, la facilité et la précision avec laquelle il défendait un point de vue, son attachement viscéral à la règle de droit, aux principes constitutionnels. Il refusait l'adhésion à un parti politique, car il voulait demeurer un homme libre, sans attache dogmatique, enfermé dans ses connaissances inaltérables, sur le socle formé par cette trilogie qu'il chérissait, la Constitution, l'État de droit et les libertés publiques et privées. Cet homme n'avait pas peur, et ceci était extraordinaire, quand on le rencontrait, il n'avait pas peur d'avoir raison, même contre une majorité, car il refusait le consensus facile, car pour lui, le consensus est parfois une faiblesse de la raison. Il croyait en la fécondité de la pensée. Il croyait dans le pouvoir de la conviction quand elle est épaulée par la vérité. Par-dessus tout, il professait la primauté du droit sur la politique et il prônait les effets de l'excellence dans tous les domaines, en particulier. Toujours dans le cadre de ce dossier-là, il y a ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, qui est un gros responsable de l'Université Kiskeya. Mais sous Bopal, il a confirmé que Montferrier Dorval voulait gagner une nouvelle constitution dans le pays d'Haïti avant l'élection qui est pour faire. Mais il a précisé que ce n'est pas une fausse constitution pour voir tête caléa avec la communauté internationale là voulait imposer le peuple haïtien. Donc, disons, dans le pays d'Haïti, M. Dorval était quoi dans une nouvelle constitution qui était capable pour des bonnets avec bien-être pour le peuple haïtien. Donc, nous invitons à écouter professeur Jacques-Édouard Alexis. À l'occasion de ces différentes interventions publiques, Montferrier Dorval a acquis la stature de vrai maître, tout comme ses maîtres qui ont marqué la naissance au Moyen Âge de l'université, tout comme ses maîtres en ce temps-là respectés, même de ceux qui étaient en désaccord avec eux, parce qu'ils avaient atteint dans leur domaine un niveau respectable d'expertise, et qu'alors ils pouvaient au sens propre faire école. Et de plus en plus à entendre parler Montferrier Dorval, nous avions tous l'impression, n'est-ce pas, de nous trouver en présence d'un vrai maître faisant école, capable de nous faire la leçon au sens noble de cette expression. À ce niveau de maîtrise, les effets, les perturbations provoquées, les haines suscitées ne sont plus prises en compte. Montferrier Dorval, un passionné du droit, un passionné de son enseignement, mais aussi, et cela de plus en plus, un passionné d'Haïti. Nous avons tous en mémoire sa dernière déclaration d'amour. J'aime Haïti. Je fais le sacrifice de ma vie pour Haïti. Il avait compris, comme il disait, que le pays avait besoin d'un changement radical. Il avait sans doute compris que certains étaient opposés à tout changement véritable. Pour lui, en tout cas, ce changement devait être initié à partir du changement profondeur et audacieux de notre charte fondamentale. C'était sa dernière bataille. Parti haïtien tête calée, qui s'est parti président Jovenel Moïse là, PHTK, eh bien, lui-même, lui prend distance li là avec conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse formé et puis lui installé.
PHTK, président PHTK, Liné Baltazar, eh bien, je fais qu'on ait gagné trop controverse avec dénonciation sous conseil électoral provisoire si là, donc qui pas inspiré personne monde confiance, donc même parti PHTK, il dit, eh bien, conseil électoral, président Jovenel Moïse Metekampe a pas inspiré le confiance tout. Donc, dans ce sens-là, M. Baltazar Koué, conseil électoral provisoire, doit sortir dans un consensus et entre tout acteur dans le pays d'Haïti. Donc, président PHTK, tenant micro, concernant Radio Télé Métropole. Nous reconnaître que CEP qui mettait en place là, l'y susciter de telles controverses, de telles tellement gain moun k'ap contester, yo contester dans sa composition, yo contester dans son et dans sa manière de former li, et surtout yo contester dans son mandat. Nous croyons que c'est pas un pas gain élément de sérénité qu'il faut pour initier un processus électoral qui est aussi difficile, qui est aussi complexe, et avec un CEP qui, au départ, doit inspirer confiance à tous les acteurs et qui, dès le départ, a l'impression que pas aucun monde qui fait confiance. Donc, c'est notre principale préoccupation. La première chose, il faut nous reconnaître que depuis plus d'un an, depuis et parlement dysfonctionnel, pays à long situation d'exception. Pratiquement, ou pas qu'à DIWAP et faire appel à la constitution, à bagage juridique, ouais. C'est surtout le compromis et qui pour permettre qu'on retourne un pays à l'état normal. Et lors de la cérémonie d'investiture, que le président lui-même, le président de la République, que m'attendait avec un pile intérêt, il reconnaît trois bagages. Il dit trois mots que je trouvais qui. Il dit un, messieurs, dames, n'a pas entré dans le point de fonction dans un contexte qui est difficile. Et puis deuxièmement, il dit il y a une nécessité pour nous voir un consensus, il y a une nécessité pour nous entendre. Donc, quand le président lui-même fait de telles déclarations, c'est que le président reconnaît que il y a un problème dans les gens et institutions et montées. Et le fait même que il y a de telles contestations, parce que par définition, le CEP, c'est son structure de juge et d'arbitre. Le fait pour inspirer confiance, surtout aux partis d'opposition. Parce qu'il n'y a pas à faire élection pour les partis qui supportent le pouvoir et aussi surtout pour les partis de l'opposition. Donc le fait qu'il y ait autant de contestations pour nous-mêmes sont signes d'un malaise et nous pendez et président mandez autorité tenu compte de ce malaise parce que le CEP c'est base question. C'est comme si on fait un caille, c'est par définition et faut que base là solide. Yeah. Faut que, si base ka elle a pas solide, il y a plus de chances que construction écrasée sur nous. Or, CEPA, il a tellement suscité des critiques que il n'a pas inspiré confiance aux acteurs et l'a pas inspiré confiance aux acteurs, ou il y a plus de chances pour aller tomber dans l'élection contestée, pour élu contesté, situation trouble, parce que, et puis ça fait 30 ans que d'après répété exercice ça, nous pas besoin à recommencer la donne encore. Ouais. Depuis 30 ans, on a fait élection contestée, nous connaissons que l'IPAP ban nous rien qui est bon, et ça, pour le pays, nous n'avons pas besoin de reprendre l'exercice ça encore, autant au départ, et joindre le consensus qu'il faut, parce que depuis 30 ans, à chaque fois qu'il a fait CEP provisoire, il est toujours parti de un consensus entre les acteurs politiques, et c'est peut-être ça, nous pensons qu'il y a encore temps, il y a encore temps et pour nous retrouver le chemin de consensus, et consensus là, il faut le traduire dans la composition CEPA. C'est toujours comme ça depuis 30 ans, ce sont les mêmes acteurs depuis 30 ans qui ont fait ça, donc nous n'avons aucune raison pour nous penser ne pas changer les règles du jeu qui est tout pour nous accepter depuis 30 ans. Directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance, a déclaré pas capable de gagner aucun conseil électoral provisoire et dans le pays d'Haïti sans un accord avec tout secteur dans la vie nationale. Là. Dans ce sens, défenseur doit nous faire connaître déjà
eh bien, fait une dénonciation devant la Cour supérieure des comptes avec contentieux administratif contre Conseil électoral provisoire SILA. Pierre Espérance annoncé RNDDH avec plusieurs autres organismes qui défendent droit moun dans le pays d'Haïti pour faire un recours devant la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif semaine qui venir nous inviter au côté Pierre Espérance RNDDH. Nous disons déjà, et avec plusieurs autres organisations, droit monde, si les notes, et dans ces maintenant, et puis et nous font dénonciation devant pour se payer des comptes, et nous pouvons faire un recours devant quoi. Bon, il est clair que c'est ça, pas capable de gagner un conseil électoral provisoire sans un accord politique. Nous pas dans CEP permanent. Toutes CEP qui montaient et après premier CEP dans disposition transitoire dans la Constitution 1987, là, toutes les CEP qui montaient après, c'est son base et consensus, c'est à partir d'un accord politique. C'est accord politique ça qui légitime les CEP provisoires. C'est accord politique ça qui bah, les CEP provisoires ont crédibilité dans accompagner lui et non et travailler. Malheureusement, et ça pas fait. Et ouais, ils ont monté un CEP en dehors, constitution, ils ont bali une mission que constitution a pas bali et exécutif a bali tête lui et pouvoir constitution a pas bali. Donc, pas de gain référendum, pas de gain changement de constitution dans le pays en 2021, comme ça tout, pas de gain élection en Haïti en 2021, pour plusieurs raisons. Et pas qu'à un pouvoir qui a exécuté le monde, qui n'a crime d'État, et qui implique la violation systématique du monde, qui met des armes dans les gangs, dans les bandits, et pour massacrer la population, pour être capable de renouveler tête, et puis tout, pour gagner un cadre d'identification nationale des malogues là qui baille un peu de problème, qui pas en garantie pour aller dans pour bien élection, dans élection libre, honnête, démocratique. Donc, pas qu'une élection en Haïti en 2021. Donc, moun qui entre dans le processus ça pour marcher, moun qui entre dans le processus ça avec le pouvoir et sous 100 peuples haïtiens pour mettre le pays à la crise 4 boumbe et plus instabilité, plus insécurité. Eh bien, bon, il va pas aller loin dans le plan. Et donc, parce que CEP ça pas capable de faire élection, il n'est pas privé loin, il n'est pas privé aucun côté. Bon, maintenant, on a dit tout, et la population, il fait pour combattre, dénoncer, mobiliser, faire un respect l'un pour l'autre, pas faire menace, pas faire intimidation, et pas craser, briser, mais nous n'avons pas capable d'être pour zombies, nous n'avons pas capable d'être pour croiser par rapport à un pouvoir qui voulait mettre en dictature en un pays à peu près ici en Maïs. Sans nous bagarrer ça pour liberté d'expression, liberté d'association, pour droit civil et politique, nous pas sous régime dictatorial encore en Haïti, nous pas prendre ça encore. Tout le monde qui vient, nous en Haïti, il y a un monde qui vient place à la tête, mais nous casser dans eux. Dossier insécurité dans le département centre, dans la ville Hench, bien la police est présentée à hier. Et 9 individus accusés communes mais qui fait vol armé, vol exam avec viol. Bien 4 nan moun sa yo, et bien c'est dans ville tout monde la police arrêté yo, mais yo gagné résidence yo habité nan quoi des bouquets, yo gagné et disons habitude pour yo détourner d'après la police détourner camion marchandises nan moun tout monde nan plateau central. N'a fait un coup de pied dans le pays étranger pour qu'on y a, principalement nous pour aller dans le pays États-Unis. Eh bien, président Donald Trump n'a un gros problème là pour le réélu dans la tête Maison Blanche là dans l'élection 3 novembre 2020 yo, qui a venu là. D'après une enquête gros journal américain New York Times, eh bien, président Donald Trump presque pas payé impôt pendant dernière année li passé sous pouvoir dans le pays États-Unis. D'après New York Times, eh bien seulement 750 dollars président Donald Trump t'est payé comme impôt lequel tapal le président et puis il t'est payé encore une année après 750 dollars encore
yon l'année après comme impôt. Donc, président Donald Trump qui gagne pour le faire, pour lui réaliser premier face-à-face débat télévisé avec Joe Biden, qui est candidat démocrate dans le pays États-Unis, est bien capable d'un gros difficulté si information journal New York Times, enquête New York Times, lui-même lui révélé sous président, t'a révélé vrai. Auditeurs, téléspectateurs, chers.